Nous allons parler du premier tour des élections législatives en France. Le parti du président Macron perd du terrain. Ensuite, de la République démocratique du Congo, les combats s'intensifient entre l'armée et le M23. En Côte d'Ivoire, discussion en cours pour le retour de Charles Blé Goudé. Et puis on termine comme de coutume par le Togo, lancement de la construction de 5 hôpitaux modernes mère-enfant. Nos invités sont en place. Sylvestre Béni, qu'on retrouve, directeur de publication de La Manchette. Sylvestre, bonjour. Vous Oui, allez moi bien? je vais bien, je vais très Ça bien. fait longtemps. Oui, effectivement, ça fait longtemps. Vous savez, parfois il faut être au four au moulin. Et si vous voulez la formule, donc je dirais que c'est indépendant de ma volonté. Nous avons également Ibrahim Atia, directeur de publication de Temps Nouveau. Bonjour Ibrahim. Bonjour Michel. En pleine forme. Ah oui. Et puis Bonifant Agbovi est là, analyste politique. Vous allez bien? Je C'est un vais plaisir bien. de vous avoir. C'est la Merci première fois. beaucoup. C'est un plaisir partagé. Et oui. Je vais bien. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde va bien ici. On commence donc par la France. Avertissement frais. Au terme du premier tour des législatives en France, la gauche rassemblée derrière Jean-Luc Mélenchon arrive avec 25,6% des voix, très légèrement derrière Ensemble, 25,75% au niveau national, selon les chiffres définitifs du ministère de l'Intérieur pour le président de la République. On commence par vous, Ibrahim Matia. C'est un revers. Sylvestre. Ah oui, Ibrahim Matia. Oui, mais il faut parler de revers parce que. Mais il faut être prudent, hein, tout à fait, parce que nous ne sommes qu'au premier tour. Et au deuxième tour, vous savez que le plus souvent, l'électorat français s'affirme véritablement au deuxième tour, parce qu'au premier tour, il y a beaucoup d'abstentions, il y a des gens qui ne se manifestent pas. Mais au deuxième tour, vous voyez des gens se manifester parce qu'il y a un jeu, parce que les gens voudraient avoir un certain positionnement au niveau politique en France. Donc au deuxième tour, nous pouvons voir peut-être un chamboulement hein, de ce que nous avons pu observer à ce premier tour. Mais dans tous les cas, il faut préciser que le parti de Macron, ou bien disons Ensemble, n'a pas fait une bonne moisson, d'autant plus que c'est eux qui sont aux affaires, surtout avec l'élection présidentielle qui venait de se dérouler. Bon, l'on avait estimé que les Français allaient continuer surtout dans cette logique. Donc la majorité devait revenir à Ensemble, mais il s'est fait que les nouvelles forces qui ont émergé ont essayé de piocher un peu aussi dans la base électorale de la Macronie. Donc, ce qui fait que aujourd'hui nous voyons que la NUP a aussi fait une percée et est au coude à coude avec Ensemble qui est issu de l'écurie de Macron. Mais globalement, ce que nous pouvons dire, c'est que il y a eu un fort taux d'abstention, et ça, c'est vraiment, il faut rechercher les causes pour voir pourquoi les Français se désintéressent de plus en plus de l'élection législative. Parce que si j'ai souvenance, en 2017, lors des législatives aussi, le taux d'abstention avoisinait les 51%, 51 et quelques, et cette fois-ci encore, on voit au premier tour, bien évidemment. Donc, ce qu'on remarque cette fois-ci, c'est comme une reddition de ce qui s'était passé en 2017. Bon, pourquoi cela? Je pense que dans les développements, nous aurons les éléments d'appréciation et nous pouvons éventuellement analyser, en tout cas, cette façon, hein, de se comporter de l'électorat français. Alors, Bonifant Agbovi, c'est la première fois dans la Ve République qu'on remarque cela, que le président de la République n'arrive pas clairement en tête lors du premier tour des législatives. Oui, bien sûr, il faut savoir qu'il y a déjà, comme mon collègue Ibrahim. Ibrahim l'a dit tout à l'heure, qu'il y a un problème et on doit chercher les vraies raisons de cette dégringolade du scrutin envers Macron. Parce que, vu la situation qui prévaut dans ce pays, je ne crois pas que le président de la République avait battu. Lors des élections présidentielles, puisse arriver coude à coude avec un opposant, 25% chacun. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui croche quelque part et on doit savoir les causes puisque c'est la première fois que nous assistons
un résultat très serré au premier tour comme ça. Mais tout compte fait, c'est le deuxième tour qui déterminera la chose. Parce que Ibrahim l'a dit, je ne vais pas le redire, parce qu'il y a des positionnements, et des postes à briguer, etc. Donc, je compte sur l'habileté du président français, comme il a toujours l'habitude de le faire, parce qu'il renverse la tendance à une minute près. Donc, la nuit du dimanche prochain sera très nous situera. Alors, Sylvestre Béli, il faut préciser que le président ne bénéficie pas de l'élan de sa réélection lors des présidentielles, il y a de cela 6 semaines environ. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Moi, je dirais tout d'abord que, en fait, je fais partie de ceux qui croyaient que Marine Le Pen avait quand même sauvé Emmanuel Macron. Effectivement. Je l'ai dit parce que si vous voyez l'écart entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, vous voyez que c'est juste 1% hein, qui a permis donc à Marine Le Pen d'aller donc au second tour. Et imaginez peut-être un scénario inverse où si c'était Emmanuel Macron. Analysons donc les résultats que nous avons aujourd'hui. Parce que vous verrez que déjà, au sorti donc du premier tour de la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon demandait aux Français de l'élire comme premier ministre donc, de ce pays. Donc l'homme comptait, hein, effectivement, il savait sa base électorale au niveau donc, des législatives. Même si aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est une gauche plurielle, parce que vous voyez, il y a... c'est la gauche, l'écologie, les verts et tout ça. Mais ils arrivent aujourd'hui à imposer, hein, et, du moins, à rafler la mise hein, à Emmanuel Macron. Je me dis que on risque d'avoir ce scénario-là que nous avons peut-être observé il y a longtemps, c'est-à-dire déjà en 1936, en 1972 et en 1997. Vous verrez que. Et le président sortait était obligé d'aller avec une coalition parce que n'ayant pas réussi donc à avoir une majorité absolue au niveau donc des législatives. Donc c'est le plan aujourd'hui de Mélenchon est presque en train donc de marcher parce que l'écart c'est bon c'est une infime c'est revu quelque chose comme ça. C'est vrai que au niveau donc du second tour on verra la manière dont l'électorat ou l'électorat donc de Emmanuel Macron va essayer donc de ravir la vedette. Mais je me dis que déjà avec ce score-là serré, c'est mal parti. C'est mal parti. Donc on risque d'avoir le schéma là de 97 où Mélenchon sera peut-être imposé comme premier ministre, donc à Emmanuel Macron, hein, comme on l'avait eu en 97 avec Chirac et Joachim, Jospin. Donc voilà, c'est ce qu'on aura. Moi, je souhaite véritablement qu'on ait ce schéma-là pour voir hein, quelle sera donc la marge de manœuvre donc de Emmanuel Macron. Voyez-vous, c'est cela même, ce sera même la démocratie. Hein, on verra comment il sera donc obligé donc de cohabiter c'est avec. C'est ça la vitalité même de la démocratie. C'est ça la vitalité de la démocratie. Donc, je souhaite ce schéma-là pour voir si hein, le jeune, comme on l'appelle très souvent, aura quand même l'étoffe ou l'ouverture nécessaire hein, pour continuer donc à aller ensemble, d'autant plus qu'il a déjà enterré. Et la République en marche maintenant, il a déjà le slogan ensemble. Ils seront obligés donc d'être ensemble avec Emmanuel et Mélenchon et pour conduire donc les affaires de l'État. Donc, voilà. L'objectif de Jean-Luc Mélenchon, c'est donc Matignon, comme Sylvestre l'a dit tout à l'heure. Oui, il ne l'a pas caché. Lors de la présidentielle, il a été clair. Il voulait Matignon, il veut être Premier ministre pour imposer la cohabitation à Macron. Donc, il s'agit maintenant de travailler, de voir éventuellement comment la NUP peut mobiliser autant de députés pour pouvoir aller vers une majorité relative, quoi, et de manière à ce qu'eux aussi puissent apporter leur contribution à la politique française. Comme vous voyez un peu, leur positionnement, ils sont pour la retraite, ils sont pour le social, ils sont pour l'écologie, ils sont des thématiques qui portent aujourd'hui. Et c'est là où Macron a failli un peu. Voilà, c'est là où Macron a failli. Ce sont des thématiques qui portent aujourd'hui et qui accrochent beaucoup plus la tranche d'âge, surtout les jeunes. Donc, c'est pourquoi je disais, entre-temps, que parce que quand vous analysez un peu le résultat selon les statistiques qui ont été émises, on nous fait savoir que la tranche d'âge qui a plus
qui s'est plus intéressé à ces élections, c'est à partir de 50 à 67 ans en allant. Et au point de vue aussi, couche socio-professionnelle, vous voyez que c'est aussi. Les jeunes sont déçus de la gouvernance. Bon, ils ne se sont pas intéressés. Habituellement, c'est comme ça les jeunes se comportent en France. Au deuxième tour, qu'on les voit beaucoup plus mobilisés parce qu'ils veulent trancher. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est que il est probable, Sylvestre le disait, que Mélenchon soit Premier ministre, parce qu'à l'allure où vont les choses, nous tendons vers une cohabitation. Et on verra, parce que Macron a un programme, mais avec la cohabitation, est-ce que ça peut l'aider à asseoir de façon sereine son programme politique, l'offre politique qu'il a adressée aux Français, ce qui a milité en sa faveur lors de la présidentielle de mai dernier? La question reste posée, mais nous osons croire que avec l'allure où les choses vont aujourd'hui, nous pouvons dire que les Français sauront à un moment donné, s'il faut, avoir Macron et Mélenchon comme Premier ministre, est-ce que ça donnerait plus de vitalité à la démocratie, comme nous le disons? Je ne saurais le dire, mais il demeure que ce sont les Français qui vont se positionner et savoir véritablement ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que la projection qu'ils font par rapport à la France, le positionnement de la France dans l'Union européenne dans les années à venir et ce qu'ils ont comme ambition de faire pour que la France se démarque davantage de tous les clichés que nous avons aujourd'hui vis-à-vis de la France. Parce que quand on parle de la politique française, il faut en même temps faire un clin d'œil aussi à l'Afrique. Aujourd'hui, la France est en souffrance en Afrique, vous comprenez? Donc, est-ce que la cohabitation peut sauver la France? Est-ce que, bon, si Macron, il part, ce qui n'est pas sûr, et si Macron arrivait à avoir la majorité absolue, est-ce qu'il saura aussi refaire vivre l'amour que certains avaient eu par le passé à la France, tout ça, le positionnement de la France vis-à-vis de la politique africaine, tout ça là. Donc, je pense que c'est autant de thématiques qui intéressent aussi les Français parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de tout faire pour que la France, je ne veux pas dire renaisse de ses cendres, mais pour que la France ait encore plus de notoriété. Merci beaucoup, redore son blason. Voilà. Alors, le positionnement de la France vis-à-vis non seulement de l'Union européenne, mais également de l'Afrique. Comme Ibrahim Atia l'a dit tout à l'heure, Mélenchon, en tant que Premier ministre, vous pensez que l'Afrique fera partie de sa politique, lui qui ne cesse de parler de l'Afrique? Mais moi, les déclarations des politiques sont à analyser. Et il ne faut pas vite partir en deux zones. Et vous savez, quand tu cherches quelque chose, tu peux mettre tout en... à ton côté pour que lorsque tu gagnes la job, pour que les personnes puissent voir vraiment ton visage. Donc moi je me méfie carrément de le fait de dire que déclarations, lorsque je serai ceci, je ferai ceci à l'Afrique. Mais avant d'arriver là-bas même, et il faut reconnaître que pour la première fois Macron a été surpris, parce que secoué. Ouais. Et il a montré lors de, j'ai lu un article quand il a rassemblé son état-major, il a dit que maintenant il faut parler avec modération, parce qu'il a compris que, avec humilité, et il a compris que ce qui se passe, puisque les résultats même le prouvent. Maintenant, venir à Mélenchon, puisqu'il n'a pas caché son ambition, il veut être Premier ministre, et c'est pour ça qu'il court, mais je vois que lorsque ce serait un revers au deuxième tour, et que Mélenchon gagne la majorité, ça va faire encore amener une autre tournure de la chose. Ça, ce serait dangereux pour le président Macron, qui va s'installer dans un fauteuil présidentiel, mais qui ne peut pas asseoir et être à l'aise pour mener son programme. Donc, lorsque nous allons parler de l'un, il faut parler de l'autre, parce que nous décryptons l'actualité. Et ce qui est bon pour lui, et pour être aux aguets des choses, c'est qu'il doit, comme il l'a dit, parler avec modération et construire une cohabitation avec Mélenchon, et lui proposer, comme il a déjà dit, son poste de Premier ministre. Et là aussi, ce ne serait pas facile. Parce que Macron a un programme. Et c'est une idéologie que tout le monde veut défendre. Mais la cohabitation, là, est-ce que ce serait facile? Vous voyez que Mélenchon a une idéologie, Macron a une autre idéologie. Et la cohabitation serait difficile. Mais aujourd'hui, il n'a autre chose que de vouloir coopérer pour que ça s'arrête. Mais le revers, c'est que s'il ne voudrait pas coopérer, puisque ce qu'il peut faire pour avoir
la majorité absolue, Mélenchon aussi pourrait le faire. Et lorsque NUPES gagne cette élection législative avec une majorité de 289, je crois, députés, ce serait très difficile pour le président serait là, mais ne serait pas très confortable dans l'application de son projet. Alors, Sylvestre Béni, la place de l'Afrique dans ce qui se joue actuellement en France? Non, la place de l'Afrique, aucune, parce que lorsque vous écoutez Mélenchon parler donc du Mali, hein, au moment où l'ambassadeur donc français a été chassé, vous avez vu que c'est quelqu'un qui est et plein d'allant, c'est quelqu'un qui est véritablement incisif contre le Mali. Donc la politique française, même si Marine Le Pen venait au pouvoir, il n'y aura aucun changement. Moi, je le dis, il n'y aura aucun changement. Ils seront obligés donc de s'adapter à la situation parce qu'ils seront obligés d'aller en Afrique, de coopérer avec l'Afrique pour avoir au moins... c'est-à-dire, la France, il y a quelqu'un qui disait, sous fond de plaisanterie, a dit que le sous-sol de la France, c'est la neige. Voyez-vous? Et qu'en Afrique, il y en a tellement. On peut en citer le cobalt, le phosphate et tout ce qui va avec. Donc, l'Afrique, ils vont toujours garder cette position donc, de concédance d'instance. Le combat actuel des Africains. Non, c'est vrai qu'il y a un réveil. Au niveau de l'Afrique, vous savez, aujourd'hui, il y a quand même une génération de jeunes qui sont beaucoup plus conscients donc de la situation donc de l'Afrique, parce que vous pouvez pas être assis sur donc une mine d'or et être éternellement pauvre. Voyez-vous, donc là, il y a des gens qui viennent ici, la France qui est aujourd'hui, je crois, le troisième la troisième puissance de l'Union européenne, et qui est aussi troisième, je crois, en matière donc de détention de l'or et tout ça. De mais l'or. De réserve d'or. Mais où est-ce qu'on peut trouver l'or en France? Donc, il y a quand même tellement de questions. Il y a tellement de questions à poser sur donc, que ce soit Mélenchon, que ce soit Macron, Marine Le Pen, la politique africaine donc, de la France sera intacte. C'est vrai qu'il y aura quelques nuances et tout, mais je voulais en fait revenir sur la cohabitation qui se profile à l'horizon, parce que lorsque vous voyez un peu l'histoire, hein, l'histoire politique française, vous verrez que Mélenchon était déjà en 97, il était déjà avec Jospin quand il a été imposé, bon, du fait la situation l'imposait à Chirac comme premier ministre. Donc, c'est quelqu'un qui veut, en fait, rééditer cet exploit-là et mettre un peu à difficulté le président Macron. Pourquoi moi, je souhaite véritablement que ce jeune-là, le jeune président français, qu'on présente comme un technocrate, qu'on présente comme quelqu'un qui a quand même la main, je veux quand même qu'il soit dans cette situation-là pour pouvoir savoir comment il va manager. Hein? Mais s'il arrive donc il n'y aura pas quand même de pugilat, on ne va pas quand même transformer le gouvernement en pugilat, mais je verrai comment il essaiera donc de contourner la situation que tentera donc imposer Mélenchon pour dérouler donc son programme de société pour la France. Donc mais nous tendons vers, lorsque vous voyez, nous tendons. Mais il y a également un élément que nous oublions, il y a juste Marine Le Pen qui est derrière donc la NUPES, ou la NUPES, c'est selon. Elle est juste derrière avec 18%, je crois. 18 quelque chose pour cent. Donc elle peut également jouer. C'est ça. C'est pourquoi je ne comprends pas en fait la France. Hein. J'ai jamais compris quand même la manière dont les choses se passent, parce que vous voulez qu'on parle encore de la France. On va marquer juste une petite pause. D'accord. Et on revient pour la suite.